Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir le diagramme de phase ou bien le diagramme d'équilibre. Nous nous basons sur le diagramme binaire et puis le diagramme de fer carbone. Alors, euh, on va voir c'est quoi un diagramme d'équilibre d'abord. On va voir quelques introductions utiles, telles que la phase, la, le constituant, une solution solide. Et la solidification, et puis on va voir la construction d'un diagramme d'équilibre, c'est-à-dire comment tracer un diagramme d'équilibre à partir des courbes de refroidissement ou bien des courbes d'analyse de, euh, thermique. Et aussi, on va voir la mise en évidence, euh, comment calculer le fil, le nombre de phases, et aussi le diagramme de phase avec mixibilité totale, d'abord totale à l'état solide bien sûr, et aussi les, les règles de mixibilité totale. Et puis, on va voir la mixibilité partielle. Le cas le, le, cas le, le plus fameux, c'est la mixibilité partielle. Et puis, on va déterminer la composition des phases, les phases qu'il existe dans un domaine en fonction de la température et la composition et euh, comment calculer les fractions massiques à partir de, de règles des segments inverses ou bien règles de Ça s'appelle règles de ou bien des segments inverses on va voir aussi la détermination de la proportion c'est-à-dire la fraction massique de chaque phase. Et puis, la, dans, le, dans le diagramme de phase avec mixibilité partielle à l'état euh, solide, on va voir les diagrammes qui contient euh, des points ou bien des réactions euh, éthiques. On va, on va prendre un exemple très fameux, euh, référentiel dans, dans les livres. C'est le plan et l'état. Et aussi on va voir l'aspect la, micrographique des phases euh, avec la phase alpha et beta, etc. Et aussi euh, l'aspect métallographique de l'alliage eutectique. Et puis par la suite on va voir euh, l'aspect micrographique d'un alliage hypo et aussi hyper -eutectique. Et on va voir quelques cas particuliers. Par la suite, on va voir les, les réactions ou bien le diagramme d'équilibre qui contient un, un point étiqueté et un diagramme qui contient un point péritictoïde et péritictique. Donc, rappelez-vous, on va voir eutectique, étiqueté, péritictique et péritictoïde. Donc euh, c'est ça en général. Et à la fin de ce chapitre, l'étudiant, euh, les étudiants doivent apprendre comment lire un diagramme d'équilibre et comment tracer un diagramme d'équilibre. Alors ça, c'est les objectifs de ce chapitre. Euh, D'abord, euh, tracer et lire et interpréter un diagramme d'équilibre, on dit diagramme d'équilibre ou bien diagramme de phase, c'est la même chose. Et aussi, euh, il faut comprendre L'évolution des phases présentes et aussi comprendre les, la constitution ou bien les constituants euh, dans un diagramme d'équilibre binaire et euh, retenir les différents types de diagrammes de phases possibles. Aussi, euh, il faut connaître l'intérêt des diagrammes et, et la variation de leurs propriétés mécaniques en fonction de la variation variation de composition et euh, température, c'est-à-dire à partir de la microstructure, on peut euh, déterminer quelques euh, propriétés mécaniques. Et aussi, il faut découvrir les transformations solides-solides euh, qui vont permettre de découvrir les effets de la température et euh, la composition ou, et aussi la fraction massique dans, dans une structure. Et aussi, on va voir d'autres, j'ai ajouté euh, quelques diagrammes d'équilibre. TR ou TRC, c'est-à-dire euh, transformation liquide. Donc, on va voir euh, d'autres types de euh, diagrammes. Alors, euh, d'abord, je vais commencer par quelques notions, ou bien, euh, d'abord, la question qui se pose, c'est quoi un diagramme d'équilibre, comment tracer un diagramme d'équilibre, et c'est quoi l'intérêt d'un diagramme d'équilibre. Alors, c'est quoi le diagramme d'équilibre? Alors, euh, un diagramme d'équilibre, c'est une représentation graphique utilisée en thermodynamique à deux ou trois dimensions représentant les domaines de l'état physique, c'est-à-dire euh, les phases d'un système. Alors, ici, on parle de corps pire et puis mélange euh, la compréhension des phénomènes étudiés. Donc, euh, ici, c'est ça. C'est le diagramme d'équilibre, c'est une représentation graphique. Alors, euh, ici, dans le, notre cas, on va étudier seulement en deux dimensions ou bien deux, deux éléments. Donc, il y a diagramme ternel et diagramme binaire. Nous nous basons dans notre étude sur le diagramme binaire seulement. Donc, il est, il est simple, et, il n'est pas plus compliqué que le diagramme ternel. Alors, en fonction de la température et la pression, euh, dans notre cas, on considère que la, la pression est constante. Alors les autres variables que vont utiliser sont euh, l'enthalpie et l'entropie qu'on vous avez déjà étudié dans le thermodynamique, le euh, volume massique ρ, ainsi la euh, concentration en masse ou en volume d'un corps euh, d'un corps pur constituant un mélange. Donc c'est ça un mélange ou bien un alliage. Ça, c'est pour le diagramme d'équilibre. On va voir comment tracer un diagramme d'équilibre. Mais avant ça, il y a des notions de base très importantes. Lesquelles C'est la phase. Alors, c'est quoi une phase Alors, une phase est un domaine de matériaux dont les propriétés physiques et chimiques sont uniformes. Donc, c'est les mêmes. Ici. Donc, sont ténéformes. Alors, euh, cette région, ou bien ce domaine, euh, ou ce ensemble de régions, sont caractérisés par une structure et euh, par un arrangement atomique identifié. Donc ça, c'est la phase, ce qu'on dit phase en anglais, et la même chose euh, en arabe, c'est taor. Normalement, vous avez déjà utilisé euh, taur donc, مجال, مجال, est donc ça c'est une phase, donc il est uniforme. Pour un, 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 d'abord un composant, avant le constituant, bien un composant est un euh, corps pur, donc un seul élément, donc il peut être simple, par exemple le Ti le titanium, le AG, le Cu, ou peut-être un, un composé chimique, par exemple le H2O, l'oxyde d'aluminium, le AL2O3, l'oxyde AL, AL2, de silicium, CIO2. Euh, Donc euh, c'est ça, un composant peut être présent dans différentes phases, par exemple, euh, par exemple un glace dans l'eau donc liquide, donc un glace dans l'eau, donc nous avons euh, peut-être deux, euh, euh, deux constituants, donc deux constituants, c'est-à-dire b donc un composant et deux phases. Par exemple, le la, la glace dans l'eau, donc deux composants, peut-être deux composants et un, une seule phase. Deux composants et une, une seule phase, à titre d'exemple, l'eau et l'alcool. L'eau et l'alcool, donc, le main ou un autre, éthyl, méthanol, Alors, nous avons deux composants, c'est euh, l'eau et l'alcool. Mais nous avons une seule phase. D'accord? Par contre, pour le, le, la glace dans l'eau, nous avons un composant et deux phases. Alors, ça, il faut bien définir entre une phase et un composant. Alors, ça c'est pour les matériaux. Pour, pardon, pour les définitions utiles d'une phase et composant. Cependant, les matériaux utilisés sont rarement purs. Ou des mélanges. Généralement, on utilise un, un mélange parfaitement homogène ou bien hétérogène. Donc homogène, c'est-à-dire ici, nous avons un alliage. Un alliage. Donc, tout, généralement, tous les métaux ou bien les matériaux métalliques utilisés sont des, des alliages. Ça veut dire c'est des mélanges homogènes. Mais le plus souvent, sont sous forme d'alliage. Et les états d'équilibre thermodynamique des, des alliages sont définis par les diagrammes de phase à l'équilibre. Alors, euh, bien que ces états soient rarement atteints dans les matériaux euh, réels, ils euh, correspondent à l'état de référence vers, vers lequel les systèmes, les systèmes ont tendance à évoluer. Alors, c'est pour cela que nous nous attachons à étudier les règles qui, qui récident l'équilibre entre un composant et l'équilibre entre les phases. Alors ça, c'est pour les définitions et l'utilité. On va voir l'utilité ou bien l'intérêt d'un diagramme d'équilibre. Avant ça, il faut bien noter aussi que les alliages métalliques sont des systèmes mono ou bien polyphasés, généralement polyphasés ou aussi monophasés, c'est-à-dire une seule phase, et qui contient des propriétés générales, généralement similaires à celles que des, maté des, des matériaux purs, soi-disant un métal pur. Alors, euh, ils comprennent les éléments métalliques ou bien non métalliques. Donc, il peut étudier en tant un système physique dont euh, la variance est mm, qui, qui donne par une relation qu'on va le voir euh, par la suite. L'essentiel, euh, c'est l'objectif de, ce de ce chapitre, comme j'ai dit à tout à l'heure. Alors, c'est de comprendre les constructions de diagrammes de phase. Binaire, bien sûr, et les phases possibles qu'il existe dans, dans, en fonction de la composition et la température. Et aussi, bien sûr, c'est l'intérêt des alliages et leurs propriétés, notamment les propriétés euh, mécaniques en, en fonction de la composition. Et aussi, déterminer le constituant et, si, si, bien sûr, noter dans vos têtes ou bien dans vos cahiers, c'est de prédire pour un mélange donné, euh, euh, c'est-à-dire, on peut dire. Au futur prédire euh, la constitution des phases euh, en présence qu'il existe et aussi de déterminer la nature et la composition des phases présentes et aussi la température lors de couler alors j'ai dit euh, tout à l'heure que la pression est constante donc euh, la pression dans, dans le couler de ce mélange est constante alors euh, pourquoi on utilisait le diagramme d'équilibre ou bien l'intérêt d'un diagramme d'équilibre c'est comme j'ai dit connaître l'intérêt des alliages et les variations de leurs propriétés mécaniques en fonction de la variation de composition la composition de, de, de cet alliage et prédire la constitution des phases en présence pour un mélange donné en équilibre l'un avec l'autre et deux facteurs physiques sont une influence sur la nature et la composition de la, euh, de, 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 des phases présentées, il existe, c'est la température et la pression. La température lors de, euh, de la coulée euh, et euh, dans les modifications des propriétés mécaniques des alliages et aussi, comme j'ai dit, euh, la pression. Dans ce cas, euh, c'est négligeable, donc c'est constante, comme j'ai dit, euh, car il y, en, euh, il y a d A d'influence qu'à des niveaux extrêmement élevés. Alors, pour plus de plus de détails, vous pouvez consulter euh, ce lien. Donc, ce lien, vous trouvez un support de cours, malgré qu'il y a hum, des petites remarques, des, des, des petites erreurs euh, dans ce polycopie. L'essentiel, vous pouvez le consulter euh, sur Internet. Alors, ça, c'est pour euh, l'intérêt et le diagramme d'équilibre. Alors, comment tracer un diagramme d'équilibre On va voir. Et avant ça, on, il faut comprendre ou bien connaître la variation. Alors, la variation est donnée par la relation suivante, la relation de Gibbs. Alors, euh, avec V, c'est... La variance du système physique en l'équilibre, c'est le nombre de variables indépendantes ou le nombre de degrés de liberté du système en fonction euh, de, de constituants indépendants. Alors, elle est toujours, un, un Donc, v, est toujours positive ou bien nulle pour avoir un sens physique. Donc, V, c'est toujours euh, positive ou bien nulle pour avoir un sens physique. Donc, c'est pour le... La variance. C est le nombre des éléments qui constituent d'un alliage et N est le nombre des facteurs physiques susceptibles d'intervenir dans l'état de l'alliage, la température et la pression. Donc, c'est ça, euh, comme on va voir, donc c ça sera 2 plus 1. Et phi c euh, représente le nombre des phases en présence, les phases qui existent. Alors, cette relation euh, appelée règle, bon, c'est la relation de Gibbs, euh, règle des phases, est euh, réduite pour les alliages binaires au seuil de la température influant sur un système euh, à la relation, donc V, donc C2 plus 1 égal 3, donc 3 moins phi. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, c'est ça pour constituant, pour la phase. Constituant, donc, c'est un atome quelconque. Donc, constituant, c'est quoi? L'atome qu'il existe. Atome quelconque, euh, dans le tableau périodique, aux, mo aux molécules, donc, euh, telles que l'oxygène, le carbure. Donc, c'est des éléments identifiés A et B. Donc, c'est ça. Donc, un constituant, c'est quoi? Donc, euh, on peut considérer comme les atomes qu'il existe. Ou que les atomes quelconques dans le tableau périodique, tableau de Mendelier. Donc, euh, deux constituants, ça veut dire binaires. Donc, j'ai donné l'exemple de l'alcool et euh, la glace. Donc, j'ai dit que Thelge euh, filma, donc Thelge filma, Mourakab taurin. Adam Mourakab waad wa taurin. Le kouhoul filma, Adna Mourakabin wa taurwaad. Donc, l'eau et l'huile. L'eau et l'huile, donc nous avons deux constituants et deux phases. D'accord Parce qu'ils ne sont pas mixibles d'un autre. Donc, zé là parce que le rotao, il a créé. Donc, euh, ne mélange non, non mixible, quelle que soit euh, la dose. Donc, ce mélange, donc, mixibilité totale ou bien partielle, comme on va voir par la suite. Alors, c'est ça. Donc, nous, nous avons aussi deux constituants et deux phases, l'eau et l'huile. Alors, j'ai dit que V égale euh, 3 moins 1, nous avons euh, deux constituants et euh, un seul facteur, c'est la température, parce que la pression est constante. Donc, si on prend euh, un métal pur, un métal pur, la courbe de refroidissement ou bien de l'analyse thermique, ça sera euh, comme ça. Donc, nous avons un palier ici et puis à une température. Donc, en fonction du temps, elle est constante, à une température constante, en fonction du temps. Donc, c'est la transformation de l'état liquide à l'état solide. Et aussi, donc, euh, dans l'état solide, un autre palier comme ça. Donc, ça, c'est pour un métal euh, pur, soi-disant pur. Alors, on considère qu'il est pur. Et, euh, alors, euh, une remarque, c'est que la lecture de, de grands d'équilibre ou même le, les courbes de solidification ou bien l'analyse thermique. Euh, on lit donc de haut en bas, donc de à haute température à basse température à la température ambiante ici. donc euh, on lit de haut en bas ici comme celui-ci. ça, c'est la température de solidification. C'est-à-dire, c'est la transformation de l'état euh, liquide à l'état solide. Donc, il y a un changement d'état ici. À ce point-là, à cette température, nous avons un changement d'état. Alors, euh, alors, ce palier est isotherme. Comme vous voyez ici, il est isotherme à une température constante. Il est plus remarquable que le refroidissement l'eau et la masse d'alliage est plus grande c'est la masse d'alliage est plus grande et euh, le refroidissement est lent. Donc, euh, ce palier est plus euh, remarquable. Ça, c'est pour euh, la courbe de solidification d'un mélange ou bien d'un métal ou bien d'un élément pur et hétérogène. Donc, ça, c'est la, la, la température ici en fonction du temps. Et euh, pour... Euh, le mélange donc ici alors pour un mélange donc euh, pour un mélange nous, nous avons un palier de liquide le palier de liquide ça c'est le point de liquidis donc ici c'est le point de liquidis et puis nous avons nous avons pardon ici une autre phase de liquide plus solide. Donc, ce palier, c'est le euh, liquide plus solide. Et ici, la fin de, de solidification. Ici, l'intervalle de solidification. Ça, c'est l'intervalle de solidification. Et ce point-là, c'est le point de solidus. Donc, et puis, un palier de solide ici, comme vous voyez. Alors... L'étude de solidification d'un alliage binaire, donc ça c'est l'alliage. Donc la courbe laisse apparaître deux points d'inflexion. Donc ça euh, s'appelle point d'inflexion. Donc c'est euh, la variation de phase. S'il y a une variation de phase, ça s'appelle point d'inflexion. Ici, donc voilà. Donc euh, le premier correspond au début de solidification. Ce point là c'est alors, ce point-là, c'est le premier qui correspond au début de solidification, c'est-à-dire apparition, de, apparition de, premier, euh, de premier solide ou bien de premier cristal solide dans le liquide. Ce point de liquidus. Et ici, ce point-là, donc, euh, c'est euh, le deuxième qui correspond à la fin de la solidification, c'est-à-dire la disparition des dernières traces de liquide. Donc, ces derniers germes, ici, ça l'apparition de premier germes solide, ou bien cristaux. Cristaux, cristal solide. Et ici, donc lorsqu'on dit cristal, ça veut dire solide. Et ici, c'est la disparition des dernières traces de liquide. C'est le point de liquidus. Alors, ça, c'est pour uh, la courbe de refroidissement, ou bien courbe... Typique de solidification des mélanges euh, purs et hétérogènes. Donc, ça, euh, je répète, gardez donc vos têtes. Donc, lorsque un métal pur euh, en fusion est refroidi, alors sous pression constante, gardez, donc on a dit la pression est constante, c'est-à-dire alors négligeable lors de couler, elle est constante. Donc on le considère qu'il est négligeable dans euh, la relation de, de, de Gibbs. Donc puisque s'il y a une grande pression, ça va influencer. Donc euh, ça soit refroidi de mélange, euh, refroidi un mélange ou bien un métal en fusion. Donc euh, jusqu'à la température ambiante, alors 20, 25 ou bien 27, la température ambiante, donc il y a un changement de phase de liquide vers solide, à une température, euh, à une température constante, sauf le mercure, donc dans les, les, les métaux, donc euh, vous, vous connaissez que euh, le mercure, Zéba, c'est euh, liquide à, à la température ambiante donc euh, ça c'est pour euh, le métal ou bien l'alliage donc euh, le changement de phase s'effectue toujours à une température à une température constante ou bien une température fixe alors cette température de solidification ou de fusion et pour la, la courbe de refroidissement d'un métal pur alors euh, voilà, représenté par des paliers. Ce palier-là correspond à la période s'appelle coexistence. Coexistence, donc il existe, c'est-à-dire qu'il peut adapter avec d'autres vases. Donc une période coexistence du métal liquide et des cristaux solides. Liquide et des cristaux solides. Donc euh, présente un palier. Alors ce palier correspond à euh, cette période. Et euh, ça a alors déjà formé euh, le cristal solide. Ce palier, comme j'ai dit isotherme, et d'autres plus euh, marqués, que le refroidissement est lent et la masse d'alliage est plus grande. Alors je reviens à cette relation. V égale 3 moins phi. Alors Pour un système binaire, C, le nombre des éléments qui euh, constituent d'un alliage dans un système binaire est égal à 2. Donc c égale 2. Alors, ça c'est un système binaire. Et alors, V égale 3 moins φ. Donc euh, 3 cas euh, de figure sont possibles. Alors ici, donc, N, donc N est égal à 1, le facteur et la température. Donc, 2 euh, plus 1. Nous avons 2 plus 1 moins phi dans un système binaire. Alors phi est égal à 1 et v égal 2. Donc système est euh, B variant Il y a euh, une seule phase, donc une seule phase et sa composition chimique est celle d'un alliage. Donc la température et la composition sont deux variables indépendantes. Alors euh, phi Ici, donc phi est égal à 1 et V égal 2. Alors, pour phi, phi égale 2, phi égal 2 et V égal 1. Donc, c'est un système monovariant. Il y a euh, deux phases en équilibre euh, les, les trois euh, variables, x1, x2, et la température. Donc, 2, 2 et la température sont euh, fixées dès que les trois euh, variables est imposé, le x1 et le x2, euh, disons, la composition chimique des phases représente euh, re, euh, euh, c'est-à-dire euh, euh, les mêmes phi1 et phi 2. x1, x2, phi 1 et phi 2. Alors phi est égal à 3, et v égal à 0, donc v ça peut prendre la valeur euh, 0 ou bien le, le chiffre 0. Système est Invariant, n'est pas mono-variant. Euh, mono Il y a trois phases en équilibre et à la température bien, bien déterminée, à une, à une température bien déterminée, à laquelle les trois compositions chimiques, nous avons X1, X2 et X3, sont fixées. Alors, ça euh, c'est pour euh, la euh, variante. Alors euh, je voudrais juste noter une chose normalement euh, vous le connaissez et vous normalement alors euh, vous sachez tout le monde que les trois cas solide liquide et gaz mais je vous rappelle dans le solide mixible donc nous avons un alliage donc mixible donc un alliage donc euh, nous avons les atomes sont euh, sont arrangés donc dans le dans le un peu euh, dilaté pour liquide donc homogène mixibilité donc homogène c'est à dire mixibilité et hétérogène comme l'huile donc comme l'huile le dans le gaz donc dans le gaz tous les gaz sont mixibles dans euh, dans euh, le, le, la chambre par exemple ici dans, dans cette chambre par exemple ou bien dans cette salle. Nous avons de l'oxygène le O2 en gaz, et le CO2 en gaz, et peut-être le H2O comme gaz aussi, c'est-à-dire euh, que ça s'appelle Neda, le H2O. Donc, euh, sont mixibles. Les gaz sont mixibles. Et par contre liquide homogène mixible et le, hétérogène comme l'huile mixible c'est à dire euh, homogène l'eau le, et l'alcool et le solide mixibilité ça va nous donner des alliages à, en fonction à haute température alors ça c'est pour les le gaz liquide et solide ça euh, ne prend de parler de diagramme euh, une un diagramme unaire, ça veut dire que nous avons un seul constituant, donc l'exemple le, le, le plus utilisé ou, ou bien le plus euh, fréquent, c'est un, un exemple référentiel que vous le trouvez dans les livres, pour un diagramme unaire, c'est un, euh, un seul constituant, c'est le H2O. Donc si ces systèmes, euh, euh, donc euh, nous avons la pression, la température, sont des, des paramètres intensifs, alors, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la quantité de la matière. D'accord La pression et la température ne sont pas euh, intensi intensifs. C'est-à-dire, euh, par exemple, si vous avez euh, le, 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 euh, une quantité à 25 degrés, on ajoute une autre quantité à 25 degrés Celsius, ça ne veut, veut pas dire que nous avons euh, 50 de, de, degrés Celsius, une quantité de 50 degrés Celsius. Ça, c'est clair normalement. Donc ça veut dire T1 plus T2, ça nous donne pas euh, T es total.